Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu et bienvenue chers amis dans Sustained. Sustained? Sustained? Enfin bon bref, un nom un petit peu compliqué mais on peut le traduire par soutenu. Voilà, je suis soutenu. Ça, il veut rien dire, on est d'accord, ça veut rien dire. Hein. Bon, c'est un jeu qui a un jeu post-apo de survie contre évidemment ces saloperies de zombies qui... Il est online, alors ça veut dire qu'on risque de se faire buter par les zombies, certes, mais aussi par d'autres joueurs. Mais il paraît qu'il y a une très grande map, il paraît qu'il y a beaucoup de choses à faire et à explorer, et il paraît qu'il y a beaucoup de constructions aussi. Donc on va pouvoir avoir un chez nous. Enfin bon bref, il vient d'arriver sur Steam en payant. Je sais que moi j'attends depuis un petit moment parce que globalement il paraît que la carte est assez vaste. Et ça me plaît. Et par qu'un peu. Voyons voir un petit peu ce qu'on peut customiser chez ce type qui ressemble juste à un clodo. Alors le moteur graphique, il date. Autant se l'avouer, le moteur graphique il date. Mais c'est pas ça l'important. Nous ce qu'on recherche globalement, mais t'as pas juste des cheveux un peu normal? Ouais, d'accord, c'est vraiment ridicule. Tu peux me l'enlever là, ce truc moche que t'as sur le visage? Pas du tout. Ah si, quand même, non. Tu vois, il a pas de barbe là. Ok, bon, on va essayer de faire un truc un peu propre. Mais oui, en effet, c'est pas ce qui nous importe. Voilà, le graphisme. Bien que, bon, on est toujours en 4K sur Tatsu Game Show. Ah non, ça c'est bon, ça c'est fait. La vidéo, ça y est. Tu tiens. Oh putain, il est toujours pas. Toujours pas. Appli, cancel. Ok, bah j'espère que ça va tenir parce que j'ai eu des petits soucis. Bon, online, on y va. On y va. Bruxelles, excite. Oui, non, peut-être. D'accord, peut-être qu'il est encore trop multi. Oui, mais alors, d'accord. Et quand tu dis single, ouais, single multiplayer, vas-y. Allez, lance-moi. Donc voilà, je sais qu'il y a des armes à crafter, il y a des maisons à crafter, de quoi survivre, enfin bon, bref. Énormément, beaucoup de choses à explorer. J'espère juste que... Normalement, il est vraiment profond. Quand je dis profond, vraiment beaucoup de choses. Je me répète, hein, je radote, je deviens vieux. Et c'est ridicule. Ok, donc on a une lampe de poche avec un harnais sur la tronche, on débarque. Oui, clavier requin bien sûr. Alors, wood, stone. Wood and stone et... On débarque, c'est une île apparemment. Alors, oula. Donc les docks de City. Et puis là, ça a l'air d'être le dé... Ah bah oui, là, c'est... Oula. D'accord, donc là, t'as le désert, la forêt, la neige. On en est vraiment... voilà. Là, pour le coup, Airfield, je pense que c'est une base militaire. Ils se sont pas embêtés longtemps. Ils ont fait trois trucs. Men Guild Group, ok. Stone Collector, il me faut de la pierre, bien sûr. Faut-il la choper par terre? Moi, c'est la découverte. Vous savez bien que j'aime bien découvrir la spontanéité. Pour moi, la spontanéité, c'est quelque chose de voilà, majeur. Alors, il n'y a pas que des gens et des zombies dans ce jeu. Il y a aussi des robots tueurs. Ça, j'ai vu ça dans le trailer sur Steam. Tape le caillou, ça marche pas. On va taper le bois d'arbre. Ah, attends. Excusez-moi. J'ai une pioche et une hache. Une batte aussi. Alors par contre, si tu veux bien t'habiller, parce qu'on était cul nu. Bon bah c'est mieux quand même. Ah, c'est mieux. J'ai honte, j'ai pas vu, je suis désolé. Ça c'est Minecraft, hein. Minecraft a ruiné nos jeux de survie, hein. Minecraft, hein. Ah, F, pick-up. Qu'est-ce que c'est? Item obtenu. Alors, oui... C'était peut-être un schéma ou quelque chose. Ok. Donc ça c'est... Ah, il y a la température aussi, il y a la faim, il y a la soif. Electricity. Crafting, donc le fourneau, le campfire, bien sûr, l'arc, je crois que ça sera donc du bois, de la pierre et du cloth,
Du close arrow. Bon bah super. On sait ce qu'on a à faire, chers amis. C'est très classique pour le coup. Allons-y. C'est marrant, je voyais pas aussi. Les coups sont pas. Voilà, c'est pas bien travaillé. C'est pas non plus. Quand tu veux. Quand tu veux, quand tu veux. Alors, il fait 20 balles quand même, c'est pas rien. Après, sa promesse, c'est vraiment que. Il est extrêmement profond. On va voir, hein. On va voir, on va voir. Resources. Collect clothes. Oh, ça, je veux bien, mais comment tu fais? Ok. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est du soufre. En général, le soufre, dans ce genre de jeu, nous fait fabriquer des munitions. Allez. Allez. Si c'est bien du soufre, là, parce qu'on dirait de l'or, le truc. Qu'est-ce que j'ai dit, du soufre? C'est du soufre. Alors, crafting, crafting. Ah bah oui, mais il me faut du cloth. Il me faut du close, allons-y. Bon, la température 13 degrés, il fait pas chaud. Cours, 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 cours. Oula, je cours. Oula, je cours très vite. Non mais du coup, on est. Oui, parce que là, on n'est pas dans la forêt. On est directement dans le désert. Bon, bah, je vais courir par là. Ah oui, tu la vois, la forêt, la limite entre le désert et. C'est génial. C'est terrible, mais c'est génial. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, tu peux pas couper? Tu peux pas couper. Évidemment, une brume à la Myst. Qui voilà, c'est mystérieux, c'est dangereux. Pas du tout, je peux pas couper ça. Et là, il y a une bâtisse. Que va-t-on trouver dans cette bâtisse, chers amis? Il y en a une autre ici. D'accord, donc là, pour le coup, ce sera batte de baseball. Dans ta gueule. J'espère qu'on va trouver des armes assez rapidement. Parce que... Qu'est-ce qu'on a d'autre à fabriquer? Attendez, c'est la carte. J'ai la carte. Non, pas du tout, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à fabriquer? Parce que... Quand même, build plane. Un marteau. Alors en général, quand tu fabriques le marteau, il te permet de faire tout le reste. Small backpack, ça va être obligatoire. Bon, j'entends des saloperies. Alors on a une vie. Est-ce qu'on a une jauge de stamina? Donc endurance évidemment. Là, c'est un petit village, mon vieux. Il y a un bateau viking. C'est très viking. Je crois que le jeu se prend pas toujours au sérieux. Hein. Donc on aura des villages médiévaux, des villages modernes, futuristes. Enfin, je crois vraiment que le jeu, il en a rien à carrer. Hein. C'est ce qui me plaît, moi, globalement. Hein. Parce que bon, les zombies, c'est bon, quoi. Alors, est-ce que si je fais ça? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Je prends un bat de baseball. C'est vide. Bon, faut fouiller dans les tonneaux. Ah. What the heck? What the heck? Ah. Putain, c'est un robot. C'est le D209, il est armé jusqu'aux dents. Oh, putain. D'accord, et bienvenue, hein. 50 secondes, oui, non, mais presse X, vas-y, presse X. Ok, bon, bah, les robotures sont arrivées très vite dans la partie, hein. Très, très vite dans la partie. Eh ben, c'est pas gagné, tout ça. Bon, écoute, de toute façon, pour ce qu'on avait looté, où c'est que vous m'avez foutu? De l'autre côté, eh ben, je risque pas d'aller chercher mes affaires, hein, on est d'accord. Il faudrait un arc et des flèches quand même, mais il me faut du close, du tissu pour ça. Bon, heureusement on a un petit quelque chose pour commencer. Non, ça aurait été des simples zombies à la rigueur.
pour le coup. Putain, il m'a entendu. Ah, qu'est-ce que c'est les trucs réfléchissants, c'est une route. Mais il y a aussi des voitures aussi. Beaucoup de voitures, enfin beaucoup de voitures. Je sais qu'il y a une collection de bagnoles. Voilà. Certaines. Cannot jump. Je peux pas sauter. Pourquoi vous avez fait ça? Faut laisser les gens sauter, enfin. C'est honteux. Par contre, là, apparemment, j'ai pas de maison, j'ai rien. Parce que là, on n'était pas loin des docks, donc y avait ce truc-là, mais là, je suis loin de tout. Old house. Allez, suivons la route, je pense. Je pense qu'il fallait suivre la route. Bon, voyons voir. Est-ce que je vais réussir à me démerder un petit peu pour survivre? Attends. Je vais par où, là? Non, d'accord, non, c'est pas le désert. Parce qu'il commence à pleuvoir. Ah, du coup, j'ai un petit peu les... Alors, Y to Lula Smooth. And from habit setting. Ok, ça c'est pour en cas où je trouve des gens qui veulent bien venir s'emmerder avec moi. Voyons voir. Oula, mais c'est la tempête ici. Mais c'est littéralement la tempête. Bon, je vous dis à tout à l'heure, hein, je vais tâcher de trouver un truc exploitable. Non, le pic, d'accord. Bon, j'ai des bagnoles, c'est bien, mais il n'y a rien dessus. Il y a un barrage à la con. Alors, vous voyez que... Oh, bah ça pas mal. Voilà, okay. Enfin, quelque chose. Un minimum d'exploitable parce que il fait froid. Vous voyez que mon corps est à 4 degrés. C'est la température de préservation des aliments. Dans votre frigo, il faut le régler à 4 degrés, normalement. Pas moins, ça sert à rien. D'accord, est-ce que il y a une merdouille là-dedans? Ok, bon bah il n'y a rien. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un silencieux. Bon bah, déjà. Hein? Et là... Ok, un sweet encore. Alors, du coup, ça c'est rifle ammo. Donc c'est des munitions. Par contre, au niveau du 4... C'est mieux ou pas? T'as 5% de damage, 1, 2, 1, 8%. Bon, écoute, apparemment, oui, il est mieux. Et toi, je pense que je vais te laisser. Alors, est-ce qu'il est possible de... Ah tiens, mais j'ai pas de chaussures. Je sais pas s'il est possible de... Tu sais, le recycler. Mais ça m'étonnerait. Qu'est-ce que c'est, ça? Helmet. Eh ben, écoute. J'ai un casque. Et... Ouais, ça, j'imagine... Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Bon, ça, c'est intéressant. C'est pour se soigner, ça. C'est un medkit. A small... Medkit to heal... Wooden... D'accord. 100% quand même. Bon, bah, écoute, ça, c'est pas mal. Écoute, voilà. On est pas... c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Bah, génial, hein. Mais c'est pas dégueu. Faudrait peut-être continuer quand même. Là, apparemment, il y a plein de old house. Alors, quand tu dis old house, ça veut tout dire. Ça veut rien dire. Oh, putain, ouais, d'accord. C'est en face, mon gars. On va éviter de nager parce que je pense que la température, il risque d'en mourir. C'est pas impossible. On va aller voir. Hop là. On va aller voir ce qui se passe dans cette voiture et ensuite dans cette... Ah, parce que si je fais ça, est-ce que je suis dans la bonne direction? Pas tout à... Oui, enfin, vas-y. On verra après. Il y a encore des trucs là. Ouais, il y a même des zombards. Hein. Ah, il y a même des robots tueurs. Hein. Bravo. Hein. Oh là là, les robots tueurs. Donc, j'ai pas de machin pour ouvrir la voiture. Apparemment, il faut un lockpick. C'est des petits pics pour crocheter. Des petits crochets. Des petits crochets. Ressources. Allez. Fais voir, il me faut juste un petit peu de cloth. Je me demande si je pouvais pas le choper en cueillant des machins. Mais non, mais cloth, ça veut bien dire tissu. Ok, donc là déjà, il y a une église. Là, j'ai bien un lag. Très important, très important. Là, c'est des zombies. Oh, putain. Bon, bah, first, hein. Ils viennent me chercher. Oh, ils viennent. Eh, ils sont attachés. Ouf. Ça court en plus, hein. Oh là 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 là. Bon, bah, allons-y. Voyons voir si on.
Alors c'est comme d'autres zombies, il faut pas taper n'importe quand. Pas taper n'importe quand. Et il loot quand même des trucs, non? Item. Je sais pas ce que j'ai looté. Vous lootez quelque chose ou pas? Ou c'est juste gratuit? Oh bah punaise, c'est gratuit, je crois. Ah, ils m'ont looté du pognon. Oh! D'accord, donc quand il est seul... Ah oui, ça fait du pognon. Item obtenu. 10. Je crois que j'ai 10 de pognon. Alors, dans un monde post-apocalyptique, à quoi sert le pognon? Eh bien, il y a encore apparemment des survivants. Et ces survivants-là, évidemment... Je suis bloqué dans la porte. Je être close the door. D'accord. Trop bien, trop bien. Et puis même Beat Defender, il vient me péter les couilles. C'est que du bonheur. Je sais pas si vous le voyez. Génial. Bon, le jeu vient de sortir. Hein. On en teste souvent des jeux comme ça. Bon, on a pris que 10% de damage. Hein. C'est pas non plus excessif. Hein. Non, il faut que ce soit un robot tueur de la mort qui vienne nous buter. Hein. Là, pour l'instant, peut-être le casque aussi qui joue un petit peu. Et note à moi-même, ne pas rester devant les portes quand elles s'ouvrent. C'est un plan. Pick up. Spring. Add one spring in your inventory. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la morphine. Bon, écoute, pourquoi pas. À la place du pognon. Et ça, c'est une graine pour faire pousser des trucs. Bon, alors, ah, super. Oh, regardez, non, d'accord, il n'y a pas de pupitre pour le prêtre. En général, ouais, green coat. En général, il y a soit une bouteille de whisky, soit une arme en dessous. Bon, ça, pareil, ça, c'est pistolet ammo. D'accord, bon, bah, on a déjà de quoi faire au niveau munitions. Évidemment, les armes vont manquer. J'ai failli le rater celui-là. Nail des clous. Et puis, painkiller. Non, mais je commence à avoir pas mal de conneries et de cochonneries. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Old House. Est-ce que c'est là-bas? Moi, je crois que c'est par là. On est où? On est là, donc apparemment, ce serait plutôt par là. Mais il y a un truc là-haut. Allons voir. Allons voir, allons voir. Donc je rappelle que le but étant... Ah oui d'accord, c'est une éolienne. Le but étant de survivre. Il n'y a pas forcément de... Non, je vais pas aller par l'éolienne. Je vais aller par là. Il paraît qu'il y a une vieille maison. Peut-être même plusieurs, j'en sais rien. Mais qu'une seule? Putain, mais c'est fou ce que c'est vide. Je sais qu'il y a des villes entières dans le truc. Quand même, une ville entière. Par contre, j'ai bien baissé le son. On n'entend plus grand-chose. Bon, je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai trouvé quelque chose. Par exemple, ça, c'est quelque chose. Peut-être que je peux looter quelque chose dedans, dans les barils. On sait jamais. Pourrais-tu... Ah oui, d'accord, il me faut de la stamina pour jump. Évidemment. Bon, je peux les casser, mais ça m'étonnerait que ça serve à quelque chose. Et du coup, si ça fait du close, c'est exactement ce que je cherchais. Ça, c'est water bottle. D'accord, c'est de l'eau. En fait, c'est même très utile. Bon, il y a encore un tas de métal. Mais en fait, alors de l'eau, j'en ai pas besoin tout de suite de boire ça. Mais ouais, apparemment, il faut bien péter les trucs. Alors tout à l'heure, on commence à péter des trucs. Un robot tueur nous en a empêché. Scrub metal. Je pense que c'est... Puis les clous aussi. Écoute, dans le doute, je prends. Il va falloir faire le backpack. Je me demande bien ce qu'il faut pour le backpack. Ouais. Il n'y a plus rien. Il me demande de faire plus rien. J'aimerais bien trouver aussi... Later. Ça, c'est justement des morceaux de cuivre. Cuir, pardon, de cuivre. Oh là là, quel abruti. Pardon, chers amis, hein, je suis un débilus. Vous le savez... Je sais pas lire, comme d'habitude. Oh, du gloss. Bon, je vais quand même tout prendre. On sait jamais. Donc, du coup, est-ce que le backpack est...
Ça, c'est 5% de dommage. Écoute, je vais le jeter. On sait jamais. Tant pis, mais est-ce que le backpack est faisable facilement? À 10 contre 1 que 20. Et j'en ai, je crois, 4. Bon, 20, voilà. Il va falloir les looter. Inventory. J'en ai 14. Attends, mais 14, c'est bien. Il me manque plus grand-chose. Hein. Il me manque plus grand-chose. Oh bon, pour l'instant, on est tranquille. On n'a pas trop de. Old House. Mais tu parlais de la. Ça doit être derrière ce. On y est! Je crois que Old House, c'est ça. Bon, t'es vieille maison. Oh là là. Putain, mais tu cours, hein. Il me faudrait un flingue. Pourquoi il tape pas? Oh, je tape pas. Melee weapon. Qu'est-ce que t'as dans la main, connard? Oh non, mais j'y crois pas. Non, mais c'est un bug. C'est une blague. Tu te fous de ma gueule? Il t'a plu. Enough durability attack. Qu'est-ce que tu viens de faire? D'accord. Elle est cassée en fait. Elle est pétée. Elle est pétée. Donc il me faut. Il faut que je découpe. Peut-être qu'on peut en fabriquer une. Peut-être qu'on peut en fabriquer une, mais je l'ai beaucoup trop utilisée. Il n'y en a plus. Oh putain, merde, j'ai trop de trucs. Bah tu le. Ok. Donc. Dans fabrication, crafting. Une torche. Une torche. Ça, ce serait bien. Batte. 20 de bois. Est-ce qu'on en a assez? Not enough wood. En tout cas, il commence à faire bon et beau. Attends, mais je dois faire l'arc. Écoute, fais la batte et l'arc. Je sais pas si je peux la réparer par contre. Bad damage. 20. Ok. Et donc du bois, j'en ai 6. 6. Waouh, ça va prendre un moment. Bon, en même temps, il faut bien que ça serve à quelque chose. Jusqu'à ce qu'on ait les armes. J'ai besoin de pierre pour l'arc. Le problème, c'est que là, pour le coup, j'ai plus de pierre nulle part. Par contre, la batte est refaite. Elle s'est quand même usée vachement facilement. Je me demande si c'est parce que c'est l'arme du début, mais elle s'est usée. J'ai fait quoi? 3, 4, 5 zombies? Bon, tu le diras, c'est déjà pas mal, mais mince alors, dis donc, il va falloir vraiment. Qu'est-ce que c'est? N'allez. Plus de pierre. Quoi? C'est du métal. Ah oui, mais c'est pas ce dont j'ai besoin. C'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Mais ça, c'est de la pierre, ça. Non, attends, ça, c'est de la pierre. Il commence à faire froid. Il est pieds nus en plus, mon perso. Je me demande si je peux dormir. Putain, on y voit comme à travers une pelle. Donc oui, regardez, il y a un truc là-bas, genre une espèce de casse. Là aussi, il y a des petites maisons. Il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. La seule chose, c'est crafting. Crafting. Give me that. Ok. Et puis ensuite, tu vas me les fabriquer par 5. J'ai un stone. Il me faut plus. Bon alors. Du coup. Hein, c'est alors, où c'est que tu l'as fabriqué? Bon, ça, tu jettes. Le truc, là, on n'en a peut-être pas besoin. Ouais, ça, on devrait. Tu vas voir que quand j'en aurai besoin, je vais devoir le chercher. Attends, tu veux dire que. Non. On a fabriqué notre arc et j'ai jeté. Et il est par terre? Oh putain, c'est une blague. Je ne pense pas que ce soit une blague. En plus, la neige. Bon, écoute. Pour l'instant, l'arc. C'est pas génial. Il va falloir qu'on essaye de trouver autre chose. Oh, je rêve d'un flingue. Oh là là, il y en a plein partout. Il y en a plein partout. OMG. Wow. Ok. Et ah, il a pris déjà 10% de dégâts.
Hop là, attention, je crois que c'est la stamina qui me manque. Je crois que c'est la stamina qui me manque. Ouh là là, cours, 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 leur tourne pas le dos. Phew! Eh ben dis donc. Alors, du coup, est-ce que je vais avoir besoin d'autre chose comme du soin par exemple? Ouais. Où c'est qu'il est le truc de soin? Je crois que je l'ai bouffé, hein. C'est démuni, démuni. Mais tu peux. Shotgun muni. Antibiotique. Automatique, hein. C'est vrai que c'est pas automatique. Ça, c'est du stone. Évidemment, ma. Je sais pas si je suis pas infecté déjà. Du coup, s'ils ont du pognon, est-ce qu'on peut le choper le pognon? Je suis pas sûr. Ah oui, mais j'ai utilisé aussi ma batte comme ça, c'est pas génial. Qu'est-ce que c'est? Bottle of water. Ah. Bottle of water. Ouais, tu vois plus rien à cause de la neige. Plus rien du tout. Ça, c'est dans le trailer. Je m'attendais pas à être là. Regardez. Dans le trailer. Oh, pas teinte. Oh putain! Power and XP. Ah, on est enfin à l'abri. Pourquoi il pue ce truc? Oh, il me faut des lockpicks. Une carotte. Ça, c'est une carotte. Vous dérange pas que je prenne votre carotte? Regardez, c'est des survivants. Oh, attends, du coup, je vais la manger, ta carotte. 4. J'ai tout mangé tes carottes. Par contre, j'ai vraiment plus du tout. J'ai plus beaucoup de. T'as des armes là? Une hache. Ouais, mais bon. Ça fait combien? Or, j'ai apparemment 10. Ils ont peut-être laissé. Ouais, 100, backpack. Ils ont peut-être laissé. Ouais, on a qu'à 47, 200. J'allais dire, ils ont peut-être laissé des sous. Le problème, c'est que tu vois, je peux pas les. Un silencieux. Écoute, pour l'instant, je peux pas te le vendre, celui-là? Seul item. Donc, j'ai gagné. Apparemment, j'ai. Pourquoi j'ai moins d'argent quand même? Hein? Price cash. Where is my cash? 5, 15, d'accord. Donc j'aurais bien vendu mon silencieux 5 balles. Mais j'ai pas grand-chose à vendre. Encore du cuir. Ouais, mais bon, à mon avis, je vais vite en avoir besoin. J'ai pas de chaussures. Il neige dehors. Enfin, c'est la mode. Est-ce que t'as pas des lockpicks? Pour qu'on puisse fouiller dans les bagnoles, évidemment. 250, les armes, c'est pas possible. Lockpick 25, putain, je peux même pas en acheter un seul. Je peux même pas en acheter un seul. Ouais, inventory, j'en ai vraiment pas du tout. 25, si, en fait, juste un seul. Bon, bah ça y est, c'est fait. Alors, lockpick, par contre, combien de temps est-ce qu'il va durer? Lockpick chest. Comment tu. D'accord, eux peut-être, non. F. Attendez. Ok, donc il est ouvert. Et il reste. Et du coup, il y a quelque chose là-dedans ou je vais me faire voir? Bah, j'en sais rien.
C'était juste pour m'apprendre. C'était peut-être juste pour m'apprendre. Bon bah voilà, ça m'apprendra. Hey, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un gilet tactile. Mais génial, c'est un petit cadeau. Monsieur, je sais pas si c'est. Ah, c'était peut-être dans le truc là. Salut Joshua. Want toi you are doing dear little boy. Oui, bah little boy toi-même, hein. Little boy toi-même, hein. On s'est dit, ça me rajeunit, c'est pas plus mal. Bon bah super, voilà, on a un lockpick, on a. Putain, il va falloir refaire une batte de baseball et repartir pieds nus dans la neige. Alors, du coup, est-ce que je peux vous emprunter? Bah, non, il roule pas celle-là. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Ouais, il y a de la tôle. Je suis trop jeune pour aller en tôle. Lockpick. Alors, on vient m'embêter, mais... Ouais. Qu'est-ce que c'est? Oh bah dis donc, ça va, ça en fait des balles. C'est des balles pour quoi? Aimo. Basic. Au pire, on le revend. Attends, take all. Take it all, please. Oh, j'aurais bien voulu des vêtements. Bon, on va voir ce que ça... Ce que c'est... Ah! Donc en fait il va faire beaucoup de bruit. Ah mais dis donc, mais c'est que voilà. Il va faire beaucoup de bruit pour attirer toutes les saloperies de la région. Merci. Très aimable. 6. Alors par contre, est-ce que je devrais antibiotique? Parce que je vois qu'en dessous, là, il y a un truc. J'ai l'impression. Excusez-moi, j'ai un grand écran. Non, j'étais pas du tout infecté, hein. Fallait pas faire ça en fait, hein. Fallait littéralement pas faire ça. Tant pis, tant pis, tant pis. J'ai pas d'armes. Je n'ai malheureusement pas d'armes. Alors j'ai un lockpick. Oh putain. Non! Calme-toi, calme-toi. Oh! Ah! Non. Voilà. Ok, bah super, je viens de la boire. Je viens de la boire. Oh. Super. Rien du tout. Je vais vraiment faire voir. Je vais me faire voir. Je vais la casser avec ma pioche. Elle est plus durable, avec un peu de chance. Allez, vas-y, roule ma poule. De la main. Bah oui, mais en même temps, si c'est peut-être dans la neige, c'est foutu, quoi. Tu vois, c'est... Si c'est dans la neige, c'est un petit peu foutu. Doucement. Arrête, arrête. Oula, oula, oula. Je t'en orlis, hein. Ah, génial, j'adore. J'adore, ça m'en fait que 4. Eh ben, j'espère que ce sera utile un jour. Je rêve mon royaume pour une arme, une vraie batte ou quelque chose comme ça. En tout cas, il semblerait. On est niveau 5 quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Attendez, non. D'accord, c'était un peu plus compliqué de l'ouvrir celui-là. Mais rien du tout. Ok, ah super, on va pouvoir se soigner. Vas-y, mange un morceau. Super, on est à 100%. Ça c'est banger, ça. Ça c'est banger. Néanmoins, il va falloir qu'on découpe des arbres. Beaucoup d'arbres encore. Il me faut au moins une batte. Faut une batte. Ok, je viens de refaire une batte, certes, mais j'ai surtout réussi à faire une. Il n'y en a pas suffisamment. Donc ça c'est fois 5. Un arc! Un arc, un arc, un arc. Donc du coup, bon bah ça, je n'ai quasiment plus. L'arc, mets-le là. Le lockpick, mets-le là. Ça, mets-le là. Ça, mets-le là. Tout ça, tout ça.
C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir gagné des places d'inventaire. Ah oui, c'est vrai qu'il me fallait, il fallait que je fasse ça aussi. Le crafting, il est où? Le backpack. Qu'est-ce qu'il me fallait? 40. Je peux toujours pas. Bon, mais ça, 40, c'est pour deux. J'ai pas besoin de deux. Du close. Il va me falloir du close. Ils ont entendu, hein. Ok. Comment ça marche cette histoire? Est-ce qu'on est précis? Dix-neuf. Oui, d'accord, donc c'est précis de rien du tout, c'est précis de rien du tout. Bon, on peut récupérer les flèches. Mais c'est ridicule, ça sert strictement à rien. C'est ridicule, ça sert strictement à rien. OMG, OMG. Bon, moi, mon objectif, c'est ce truc-là. Là, en face, le... Ce qui serait bien, c'est de pouvoir monter. Je sais pas si eux, ils peuvent monter. Oui, d'accord, ça sert strictement à rien. Voilà, donc du coup, elle est cassée et elle me reste dans la main. Elle a même pas le, comment dire, le truc de. Elle monte. D'accord, superbe, j'adore. Bouge plus. Ça t'a, ça. Oui, c'est super. C'est ce que je voulais globalement. Et ça tue, ça, ça tue pas. Ça fait vraiment très très peu de dégâts. Ça fait vraiment très très peu de dégâts. Et il y en a un là aussi. Hein. Je te vois, mon bro. Hein. Même dans la tête, les flèches ne servent strictement à rien. On est d'accord. Hein. Enfin, lui, j'ai pas du tout. J'ai pas du tout. Ça. Oh. Barre de vie. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui est chiant? Qu'est-ce qui est chiant? Bon, je pensais quand même que ce serait un. Ah, bah je peux mettre des patates. J'ai tué à coup de poing. Quand tu veux, hein. Voilà. Ça t'embête pas de mourir, s'il te plaît, merci. Dommage. Dommage, le. Comment dire? Ça ne sert strictement à rien. L'arc et les flèches ne servent strictement à rien et il y en a plein. Je voudrais faire le ménage avant de pouvoir m'attaquer à cette petite zone. Tu lootes quelque chose, un petit peu de pognon? Et un magasin juste à côté, ce serait bien quand même. Alors par contre, il faudrait monter sur cette bagnole. Voilà, et sans tomber, s'il vous plaît. D'accord, lui, il est là. Est-ce que je peux... Voilà. Comme d'habitude, si vous jouez à des jeux vidéo, vous verrez qu'une fois que vous êtes en hauteur, en général, sur des petits jeux, voilà, les mobs sont pas à la hauteur, eux. Donc ça, c'est vraiment toujours le truc à faire. Faut juste savoir comment... Oh, il y a des cochons! Il y a des poulets, il y a des cochons! Faut juste savoir où monter et où t'accroupir. Voilà. Bon, alors, petit souci, c'est comme... Ouais, non, ça va. Ça va. Le rampant, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Mais on a débarrassé la zone. Voilà, on a la zone rien que pour nous. Je pense que c'est pas mal. Ne tombe pas, Abrutus. Un tout petit peu, ah non, plus haut, plus bas. Ok, nickel. Donc il y a évidemment rien du tout des graines. Oh, tu peux te garder tes graines. Tu peux te garder. Mais bon, le but étant surtout de d'avoir l'appel de la saloperie. L'appel de la saloperie, encore des. Ça, c'est quoi ce shotgun? Enfin, décidément,
beaucoup de balles. Pour un trou de balle, tu me diras, c'est normal. Mais par contre, peu de d'armes. Il me faudrait les armes qui vont avec. Alors ça, c'est quand c'est fermé comme ça, c'est fort probable qu'il y ait de la saloperie derrière. Qu'est-ce que je disais? Bottle of wine. Hein? Oh, il y a un petit peu de pognon pour une fois qu'il y en a qui est pas radin. Tada! Ouais, dégage, toi. Franchement, ça dégage. Ça sert strictement à rien. Ouais, ça aussi, barrez-vous avec vos graines, là. Je ne mange pas de graines! Et voilà! Ouh! Oh! Oh bah super, ça m'en fait que 5 maintenant. Je ne mange pas de graines. Ah, l'arc était une vraie déception, chers amis. Je vous le cache pas, j'ose le dire. L'arc est une véritable déception. J'espère juste qu'il n'y a pas besoin. Quelque chose dans les toilettes. Il n'y a pas besoin de 10 balles dans la tête pour un seul zombard. Parce que bon, là, ce serait évidemment too much, hein. Alors, évidemment, il faudrait des. Non. Là, ce serait too much. Donc encore, bon, c'est vieille ferme en fait, hein. C'est pas old house, c'est old farm. It is old house. Bon bah tant pis. Tant pis si vous êtes des nullos, moi j'y peux rien. Je les ai vus. Je les ai vus, vous en faites pas. On recharge. Hein, je peux pas recharger, c'est étonnant. J'en ai pas autant que je l'aurais voulu. Non. Bah alors, il faut impérativement viser. Il a tiré dans le poteau devant moi, j'y crois pas. Il a tiré dans le poteau devant moi. Bon, et ben voilà, j'avais beaucoup d'espoir pour ce jeu. Je vous le cache pas. Oh bah tiens, un backpack. Ça c'est cool. Ça c'est cool, j'ai quand même beaucoup d'espoir pour ce jeu. Je vous le cache pas, bon ça me ramène quoi. Moi ça passe pas des masses, hein. Parce que nous on en avait que. Si je fais ça. D'accord. Pour moi ça fait 3. T'as tout un sac à dos. Ok. Bon chers amis, au moins on l'aura testé. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de faire un bon jeu de nos jours. Il faut aimer ça. Ah non, mais franchement, là, le backpack, parce qu'il y a énormément de trucs. Alors, moi, je me suis dit, tu pourrais me faire le double de l'inventaire que j'ai là maintenant. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Voilà, bon, ça c'est bien parce qu'on en a besoin en plus. Et tout le reste, on va dire, écoute, j'ai déjà des ressorts, je sais plus où sont mes ressorts là. Bon, nick. De l'herbe, voilà, de l'herbe. Sinon, je suis encore un petit peu blessé, mais voilà. J'ai envie de dire, mais voilà, on l'aura testé. Voilà, on l'aura testé. Petit jeu, je pense pas qu'il y aurait une suite à ça. J'ose vous le dire, voilà, que ce soit les différents éléments du gameplay ou que ce soit voilà, les comportements des zombies ou des. Bon, au moins ils sont pas invincibles les zombies, je veux dire, voilà. Mais l'arc est une déception, la batte de baseball elle dure 30 secondes. C'est voilà, c'est pas hyper fun. Voilà. Je voulais m'amuser, j'ose le dire, voilà, j'ose le dire. Ça, c'est quoi ce truc? Surgery kit. Bon, pourquoi pas, hein. Je pense que ça devrait pouvoir me soigner. Hein. Je vais l'utiliser sur moi immédiatement. Est-ce que ça soigne? Pas du tout. Je pense que si c'est en cas où tu te serais reçu une balle. Ah si, quand même, bah si, voilà. On a recousu. On a recousu. Voilà, on a recousu. Fantastique. Bah je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai deux trois déceptions quand même qui ne m'ont pas laissé voilà, qui ne m'ont pas laissé de marbre. Et c'est bien dommage. Ah je sais pas, hein, c'est pas le jeu de survie de zombies qu'on mérite. Il y en a un qui doit arriver, j'ai plus le nom en tête, mais qui a l'air vraiment génial. C'est un jeu en FPS et qui est vraiment vraiment fantastique. Je le mettrai en commentaire. Il y a encore des maisons par là. Mais bon bref, allez, gros pouce bleu, gros abonnement, gros bisous bien sûr. Tchou tchou bye bye, prenez soin de vous, à bientôt.